Lundi 1er avril 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité concernant le pays d'Haïti, journée tension dans la capitale là, côté bandits vivent ensemble, décidés d'attaquer une autre fois encore divers espaces en dans la capitale pays d'Haïti, précisément en bas la ville. Côté dans zone palais national, situation était vraiment compliquée. Sous chat de masse, un pile monde était obligé à courir pour quitter espace là parce que la police t'a pas décidé camper en face bandits vivent ensemble qui t'a tenté pour voir si yo capable attaquer zone palais national. Et bien dans série attaque ça pral gagner mesdames et messieurs, gagner une machine blindée la police qui pral arriver passer en bas flamme du fait bandits vivant sans mio qui pas suspend taille banda dans la cour Port-au-Prince depuis 29 février 2024 là. Eh bien c'est déjà un mois si monsieur Sayo pas vle rete nan rolio et en pile moun continue à inquiéter de ça qui a passé dans pays d'Haïti. Mais faut que nous disons c'est pas seulement dans en bas la ville là, mais dans Delma, dans Pétionville, situation est vraiment compliquée. Sorti Kafou aéroport rivé Delma 33 et c'était vraiment compliqué. Eh bien dans cadre attaque qui t'a fait sous Delma, coup de balle t'a chanté, t'a pral gagner un citoyen qui arrivé perdu la ville dans Delma 30, situation ça qui la cause moun Delma, eh bien gen gros kè cassé en pile moun qui était dehors obligé à inquiéter pour yo wè comment yo pral rentrer la caillou tellement coup de balle pas suspend chanter dans Delma. Une situation qui bail gros kè cassé j'aime sou di là. Eh bien dans Pétionville tout depuis hier dimanche nan habitant dans commune si là t'es obligé à dormir un jet fermé un jet l'ouvri côté t'a pral gagner alerte sous commune ça le bandit vivent ensemble te fait qu'on est yo pral attaquer Pétionville. Eh bien ça qui t'a pral la cause gros inquiétude bon côté habitant commune si là. Et matin yo levé yo joine et quatre jeunes garçons pour pipiti qui perdu la vie. Toutefois circonstance l'amoa lui-même li pas déterminé, donc c'est gros inquiétude. Et journée jodia en pile coup de balle t'a chanté dans zone Meyotte, Métivier, Bitboyer, une quantité l'autre zone en dans commune si la. L'autre point dans actualité a après un bon temps l'été rentré dans silence li, ancien chef rebelle 2004 Guy Philippe lui-même li décidé sorti pour demander population faire résistance contre conseil présidentiel car comme voulait installer dans pays d'Haïti a côté li mandé et autorité qui la yo qui gagnent pour yo signer pour conseil ça capable installer li mandé yo pour yo pas prendre dans craponay ça éviter pour que yo pas signer accord si là ou encore pour conseil là capable installer. Mesdames et messieurs, toutefois Guy Philippe avancé pour le faire connait avec tout monde qui gagnent et pour yo prouver que yo capable eh bien changer ça pour yo commencer montrer pendant l'été attaqué. Il était même adressé alors message avec mandi vivant sans mieux. C'est moment pour yo montrer yo beaucoup des peuples et lui-même l'imander population à partir de démissiver pour commencer fouler béton pour eux-mêmes yo exiger communauté internationale la suspendre à ingérence la fait dans dossier pays d'Haïti pendant Guy Philippe fait qu'on est lui-même li paré pour que lui-même li capable président transition Jean haïtien veut là li quoi li capable ba écoute mais avec la République et moun sa yo faut yo gagner conscience qu'a prend pays a pour régler les affaires poche yo et pays a lui-même l'a descend pi bas dans la bois. Guy Philippe qui dit li pa baye pays a avec blanc. Eh bien nous pral wè ki sa ki pral passer demain. Li annoncé à partir de 10h pour tout le monde fouler béton pour dire non avec conseil présidentiel si là. Eh bien gagné tout chef gang qui se porte-parole vivent ensemble Jimmy Cherizier alias Barbecue lui-même qui t'a baye yon interview avec un journal étranger qui c'est Sky News lui-même là qui fait qu'on est n'a parlé de Jimmy Cherizier qui croit que lui doit faire partie de solution
problème yo parce que eh bien une fois ça pas fait ça pas jamais résoudre mais barbecue là qui lui-même regroupé yon quantité et base dans pays d'Haïti côté yo bay tête yo non vivre ensemble qui décidé yo dit y a fait révolution et en pile moun déjà victime en pile business crasé en pile institution notamment eh bien la police yo même yo victime en bas attaque ça yo et bien dans interview ça barbecue quoi que jodia yo pas capable négliger dans quel que soit dialogue cap fait yon lot bon dans ça qui gen pour ak conseil présidentiel divers leaders politiques qui sorti dans accord 21 décembre qui c'est proche premier ministre Ariel Henry yo écrit communauté et bien Caraïbes là qui c'est CARICOM pour demander et bien garder s'il capable retourner sous décision conseil présidentiel là toutefois yo même yo te gen t'envoyer représentant yo n'a parlé de accord 21 décembre et bien yon moun tankou André Michel, Majorie Michel, Edmond Suplice Bozil et autres yon mandé CARICOM pour retourner sous décision ça pour aller dans coup de cassation au lieu pour ta vin mettre conseil présidentiel sept membres pendant Louis Gérard Gilles les mêmes Gilles alors déjà représenté et bien accord 21 décembre en dans conseil présidentiel là et bien nous yon et bien changement des positions qui fait côté divers leaders politiques qui sorti dans accord 21 décembre dans cap mandé CARICOM pour tourner sous décision et bien gagné là leader parti politique EDA qui ouais c'est un manœuvre pour faire temps passer côté yo fait qu'on est yo pas capable rester dans ça yo est là et yo baillon ultimatum 72 heures de temps avec gouvernement démissionnaire pour prendre décision qui important pour pays sinon bagay la capable changer phase l'autre point nous pral wè dans actualité a c'est sous plan international côté aux États-Unis dossier pont a fait parler de li dans Israël gagné gros actualité nous pral découvrir dans VOA créole avec nous-mêmes mes nouvelles Kèk nan gran pwogram domine aktualite a, plizye dizen milye sitwan Izraelyen manifeste nan vil Jerusalem kont gouvernement premier ministre Benjamin Netanyahu. Manifestasyon sa a deroule yon jou avan soldat Izraelyen yon abandone l'hôpital Al-Shifa apre 2 semen atak. Gouverneur ta Maryland lan mande kongre apouve fon nesesè pou rekonstruksyon pon yon batou kargo krasé nan port Baltimore la nan mouman efò ap fèt pou aktivite ekonomik ki rekomanse. Haïti, conseil présidentiel 9 membres là, t'a dû prétisément installer et puis nommer un nouveau premier ministre dans commencement mois ça, malgré demande l'autre secteur à faire pour diriger pays à ta sorti dans cour cassation. N'a pas tout le monde et nous dit passer une bonne semaine en compagnie de la voix de l'Amérique. Je dis à janvier de la c'est 1er avril, c'est pas poisson d'avril, donc la départ avec grand pour cap de mener actualité, on a pris aller directement dans Port-au-Prince. Côté correspondant, nous, Mathieu Douvilme, lui-même, t'es témoin, et Boukanta, écoute, Zam, que nègre, mais qui semblait ta mam, gang, qui est, et vivant sans nom, et bien, monsieur Boukanta, écoute, Zam, tout préparé national, là, Mathieu Douvilme. Lundi 1er avril 2024, nous exactement sous champ masse dans le périmètre palais national Mipana. On est depuis environ un mois gang qui regroupé au Bastriti, yo relé vivre ensemble, yo même yo assiégé capitale là. Et bien nous devons dire un mois après rien pas changé, situation il toujours été de même. Bien bonne matin lundi, et bien coup de balle t'a chanté dans toute direction capitale là, principalement zone palais national et gens que nous capable tendre et gens que nous capable garder sous image noire. Sauf que nous capable dire que plusieurs unités de la police là yo yo continuer multiplier chez foyo pour voir dans quel niveau yo capable arriver croiser et groupe civil armé ça yo qui a cherché à accaparer plus territoire nous constater tout gagner la fumée qui a levé dans direction nord capitale là yo citoyen lui-même qui a essayé échapper poli en bas coup de balle a dit nous qui ça c'est différent parking intérieur nous a dit fait dans il pas arriver nous pas arrêter nous obligé ou pas gagne monde beaucoup de victimes on va côté pas nous et nous tendre nous tout sorti grâce à Dieu
pas qu'il n'était rien mon dit fait appeler même par contre si on va y voir et tout avec mon dit fait bonne marron on dit ah c'est nèg dit fait avouer nous va caler dans la quoi nous il est obligé de sortir et qui ça nous plus paix c'est la police c'est l'autre monde on va les nèg azam yo on va une chance pour nous on petit chaque à virer devant nous toute sortie mais nous on est et là c'est rentré Palais National j'en nous regarder sur image noir c'est agent IGPN yo yo même qui campé Djougan pour voir qui gens yo capable défendre en périmètre Palais National là là ça semblait c'est une machine yo qui tombait en panne qui a essayé les pas voilà c'est comme ça la situation lui même lui présenté nous doit dire dans même journée et tension si là dans une vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux yo et bien nous constater une machine blindée la police de couleur cacajaco qui a passé en bas du feu. Jusqu'à présent, nous pas vraiment connaît origine du feu. Eh bien, dans commune Pétionville, habitants yo levé joindre quatre jeunes garçons dans Rivilate et jeunes garçons ça yo qui a bien dans sang yo et personne monde pas vraiment connaît et circonstance la mort et quatre jeunes garçons si là yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé qui a informé nous sur ça qui a passé dans capitale haïtienne. Merci, Mathieu Louvillemé. On a dit que porte-parole groupe Gang Armé et Vivant Sandan, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, eh bien, lui-même, il parlait dans la presse pour dire que lui-même, il voulait faire partie de solution, il est disponible, il disposé pour participer dans tout dialogue qui est capable de faire pour résoudre la crise. Là. Nous parlons dans notre nouvelle tour dans le pays d'Haïti, on a dit que Bandi Armé libéré, il y a un YouTuber qui a été kidnappé, ça a pu passer une semaine, ensemble avec un assistant qui était avec lui, eh bien, et ça fait, dans le moment, monsieur Tapral cherché faire une interview avec Paul groupe armé Vivant Sandan, Jimmy Cherizier. Nous allons rejoindre Emmanuel pour plus de détails. YouTuber libano-américain Addison Pierre Malouf qui gagne nos jouets li qui relait arabe t'est kidnappé dans pays d'Haïti pendant que il t'a gagne intention pour te faire interview avec un chef gang yo qui c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue ancien policier YouTuber a libéré vendredi qui s'est passé là dans une interview avec la voix d'Amérique avant qu'il t'ait payé Madison expliquer raison en détail qui fait te vinn dans pays d'Haïti. You know I came to this country because moi te vin Haïti parce que moi te vle bay parole ak yon moun kap mene yon insurrection kont gouvernement Sara ki se yon gouvernement corrompi. Moi explorer plusieurs terrains difficiles nan moun lan, nan fè jan de travay sa yo comme YouTuber et moi te confirmé yon interview en Haïti avec Barbecue. Moi veni nan pays d'Haïti pour me tande voix ça et rend public voix ça pour moun te konnen. Moi t'ap ofri yon plateforme internationale parce que pays d'Haïti corrompi en pile. Mais pendant ces jours moins dans cap haïtien nous rencontrer un pile officier police qui rete nous et mandé nous l'argent en batab. Tout ça nous wè nan pays an c'est moun ka fait corruption racket policier ka travaille avec gang raison qui fait yo kidnapper nous c'est parce qu'il y a un policier qui corrompi. Malouf attribué enlèvement là à couleur poli les souligner l'important pour les jeunes libération ça pendant le qualifier de miracle de libération, il déclarait les croix dans bon Dieu en pile et c'est ça qui fait ça arriver. Pendant qu'il était fait même dans base 400 Marozo, nous étions bien traités. Moi, pas vraiment l'impression que yo maltraité nous. Moi, j'ai dit moi été kidnappé pour couler paume. C'est pas une excuse. Si yo kidnappé ou pour les pau, même que yo bien traité ou yo bien traité nous parce que nous t'ai parlé bien à gang yo parce que bon Dieu t'ai protégé nous. Madison Pierre pendant 17 jours séquestration t'ai accompagné de Sacrachine, yon fixeur qui dit lui-même tout expérience n'est pas douce et expérience ça qui t'ai un goût amène en bouche li. Mais ça qui t'ai problème là c'est que ou rete en dans un caillou ou pas jambe gazouté yo ou pas ta sorti soleil là comment lié. Mais nous pas détacher nous avec la nature. N'a souligné action ça arrivé dans moment côté pays a tande installation un conseil présidentiel qui bail tête l'émission résoudre crise haïtienne. Tractation yo a continué dans mitan acteurs politiques yo sous possibilité pour conseil ça installer ou pas. Pendant temps ça, nouvel ambassadeur américain dans pays d'Haïti, Dennis Hankins, débarqué et lui remettre sa relé lettre de style dans jargon diplomatique là. Matin lundi avec ministre Affaires étrangères et missionnaires Jean-Victor Généus. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Merci, Emmanuel. En parlant du conseil présidentiel, 9 membres là, qui, d'après dernier note que j'ai mis dehors, eh bien, le conseil s'est précisément installé et même nommé un premier ministre provisoire et qui va former un gouvernement. Donc, c'est là nous est jeudi. Mais en parlant de ça, n'a pas dit que l'opinion partagée tout concernant le conseil présidentiel, ça. C'est comme ça, ancien sénateur et Jean-Yves Sénatus, qui est leader parti politique, l'ordre démocratique, aime les camper sous position parle pour dire que le président ou bien encore le prochain dirigeant qui a de diriger et pays a tas de soutien dans la Cour cassation Renan Toussaint. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus, qui s'est tout président parti politique l'ordre démocratique, déjà adressé une correspondance par le Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ en tant que co-dépositeur souveraineté nationale pour prendre décision appropriée par rapport à choix d'un juge Cour cassation comme président provisoire République d'Haïti. Démarche ça, joindre appui plusieurs citoyens et secteurs dans la vie nationale. Concernant tout, il y a un pilote qui pas quoi dans aucun juge Cour cassation, il est estimé qu'il pas bien nommé. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus répond pour le dire qu'il y a plusieurs juges qui étaient bien nommés. Surtout, Jean-Di Travail, l'élite président commission justice et sécurité au niveau du Sénat de la République. Juge Lebrun, qui était bien nommé parce que la commission a été proposée par l'exécutif à Téfechoual. Le juge Barthelmy Altenor, qui est bien nommé, et le juge Théogène aussi, qui est bien nommé. Martin songe non Théogène net, mais moi songe à Barthelmy Altenor, moi songe Jean-Joseph Lebrun. Ancien sénateur Jean-Renel Sénatus écarté possibilité pour conseil présidentiel 7-9 membres d'a prêté serment devant Cour cassation. Est-ce que la Cour de cassation peut se permettre pour t'a dit la recevoir ça que le président Stalin dans le palais national pour venir prêter serment devant. Si Cour de cassation fait, ils mettent bat chien, tant mettre lui parce que eux ils sont passibles par devant la haute cour de justice. Donc c'est mettre tant gain parlement et puis pour parlement mettre en accusation pour juger eux pour parjure pour juger eux pour violation de la constitution. Pendant ce temps, équipe signataire accord 21 décembre 2022 yo écrit CARICOM yo copie à joindre organisation état américain OEA et Nations Unies pour dire yo meilleure formule pour peuple haïtien joindre yo issue dans la crise politique là c'est à choisir un juge Cour cassation pour diriger transition. N'a pas rappelé que équipe 21 décembre 2021 voyez ancien sénateur Louis-Gérald Gilles comme représentant yo dans conseil présidentiel transition. Renan Toussaint pour VOA Creole. Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Il faut dire que c'est pas seulement ancien sénateur qui a une opinion ça, tout gain l'autre juriste ou bien encore l'autre homme de loi qui a même partagé opinion ça tout que c'est que président ou bien encore monde qui doit présider ou bien diriger pays pendant la période de transition à tal sorti dans cour cassation et puis n'a dit que l'OEA gain pour lui rencontrer et soit Haïti même que conseil permanent même pour l'organiser rencontre soit Haïti c'est va pour 3 décembre d'après sa nouvelle rapportée et puis n'a dit crise politique là en Haïti pas empêcher que jeune yo kembe tradition une tradition sous des timon tal de Saint-Gély c'est ça les cap encore gain qui dit en français cerf-volant et bien nous va joindre Jean-Marc Verbella qui pourrait parler de cerf-volant ou bien cap. Dans le moment insécurité à Valetere dans le pays d'Haïti, pendant semaine 7 ans, quelques citoyens haïtiens ont été marqués à la tradition Pâques là, dans le fait cap avec divers papiers couleurs pour vendre. Malgré la situation du pays à Pimalou, Gilbert Fleurant, qui est un machin cap, a dit dans le micro à la nouvelle Reuters, il n'a pas abandonné la coutume. L'activité a pas mis ça, j'en ai vendu ça. Mais. Non, nous sommes toujours. Nous ne pas quitter Koutim par année pour nous faire, nous devons faire. Et puis nous relaxons. Pour nous relaxer tout le monde, mais nous sommes en train de nous enjoyer. Pendant ce temps,
Insécurité et blocage politique pays paralysé en pilote activité, tant que distribution gaz dans pompe gasoline, côté chauffeur taxi moto et chauffeur machine, pas de cas de gaz. Jean-Marc Hervé Abelard, Washington, pour VOA Creole. Actualité à ce plan international, Pep Israël a continué à manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu dans Jérusalem pour ingérence gouvernement dans la guerre. L'armée Israël a fait contre militant Amasio Gentil Augustin Junior. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens tenant la rue dans Jérusalem dimanche 31 mars 2024 là pour manifester contre le gouvernement Benjamin Netanyahu. Et puis, jeudi lundi 1er avril là. L'armée israélienne a quitté l'hôpital Al-Shifa qui est dans la ville Gaza après environ 2 semaines d'opération. Comme Oukawe, dégâts en pile en dans Shifa. Gen en pile mort. Évacuation malade a continué. Premier plan nous, c'est retirer tout malade qui pas gen rien pendant présence l'armée israélienne dans Al-Shifa. Kouliya, nous pral déplacer moun ki malade ak blessé yo sorti dans Al-Shifa dans l'hôpital Baptiste qui c'est youn dans zone Gaza. Qui toujours a bay patient yo service. Yon patient qui était dans l'hôpital là pendant attaque yo, te parlé sous situation yo après attaque l'armée Israël là. Yo te quitté yon ti quantité manger entré qui pat assez. Nous té 150 patients ak 50 employés médical. Manger y a pat assez dit tout. Pas gen traitement, pas gen médicament, pas gen rien ak bombardement toute journée qui pat suspend ak en pile de gars dans l'hôpital là. Dormi, pas gen dormi, la pérez ak inquiétude. Nous t'attend pour yo aller. Yo seulement quitté jeudi a 15 jours dans état ça. Pendant gouvernement Netanyahu déterminé pour éliminer Hamas, hier dimanche là, plusieurs dizaines milliers manifestants israéliens tenant la rue contre gouvernement premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour ingérence li dans la guerre. Yo manifestant 74 l'année te dit. What I'm doing here, ça m'a fait ici là, c'est essayer changer gouvernement. Parce que gouvernement ça c'est un échec complet et total et seule façon yo pral mener nous dans gros tout sans fond côté nous pas jamais chapé. Journal israélien N12 News dit c'était plus gros manifestation depuis commencement la guerre. Cabinet Netanyahu te critiqué en pile pour échec sécurité attaque Hamas là sous site Israël côté 1200 moun te mouri ak 240 l'autre te prend en otage pendant manifestation en tab ou le Jérusalem, premier ministre Benjamin Netanyahu, te l'hôpital pour yon examen enni. Mais, ça pas t'empêcher le ta fait louange l'armée Israël là. Pendant semaine qui sont passée ya, force nous yote opéré l'autre bord, yon façon remarquable. Shifa te vin tourner yon quartier général terroriste pour Hamas. Force nous yote fait yon attaque surprise ak précision. Yote touye plus passé 200 terroristes. Qui gen la dan, kek gros commandant. L'armée Israël la te dit qu'elle était touyé ak arrêté plusieurs centaines nèg ak zam nan affrontement nan zone l'hôpital la. Et puis, li te saisi zam ak document intelligence, yon déclaration groupe armé Hamas la ak employé médical yo démenti. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Zami k ap mande nou pou kolèg nou Jacqueline Belizea, nou di yo ke Jacqueline an vakans, donc li pa pran pil tan pou li retoune vin jwenn nou, et c'est konsa ke m kenbe pou li, an atandan ke pou l kapab byen jwenn vakans lan, an tout repò, an pè. Nou pral nan lòt nouvèl kap domine aktualite a yon mes d'aksyon de gras te deroule nan katedral sympatik la nan Manhattan nan New York, kote ke yon group moun te eseye perturbé ou bien encore gâté mais la table célébrale il était obligé de la police pour croire yo valé au Saint-Louis. Archevêque ville New York, la cardinal Timothy Dolan, t'es dirigé messe action de grâce hier dimanche Pâques là, dans la cathédrale Saint-Patrick là, dans Manhattan, avec participation plusieurs fidèles catholiques, côté que archevêque là, t'es offri tout condoléance li pour officier police Jonathan Dealer, dans la cathédrale Saint-Patrick là, pendant messe là dimanche matin. Officier police Jonathan Dealer, un membre département la police ville New York là, t'es perdu la ville, là, t'es tiré la semaine passée, pendant un embouteillage trafic dans Queens, New York. Après, il t'es chanté dans l'église catholique Sainte-Rose de Lima, samedi dans la veille fête Pâques là.
Pendant mes célébrations dimanche Pâques là, t'es gagné tout quelques monde qui t'a cherché attention et qui t'a essayé déranger déroulement possession religieuse là. Moun sa été campé dans l'église, t'a scandé, t'a prié libérer Palestine. Selon ça, une vidéo qui t'est partagée sur plateforme X là t'est montré. Yo t'ai relé la police qui t'est débarqué dans cathédrale là et yo t'ai porté plainte contre moun sa qui t'a manifesté dans l'église là. La police t'a arrêté trois moun sa yo. Matthew Menzi qui a 31 ans, John Rosendahl 63 ans, à Gregory Chouedok qui a 35 ans. Yo t'ai metté en prison et puis yo t'ai accusé yo de désordre dans service religieux. D'après ça la police t'a dit. Pendant ce temps dans la veille, dans samedi 30 mars, si potè pro palestinien ont pris la rue dans ville New York là pour marquer 48e anniversaire jour territoire et puis pour protester contre la guerre en Gaza. Manifestants ont brandi drapeau palestinien yo pancarte yo et ont chanté libérer Palestine à Gaza. Pendant que ont marché dans ville là. La police New York, la NYPD, t'a accompagné manifestants pendant parcours. Chaque année, tous les peuples, citoyens palestiniens arabes et peuples israéliens, commémorent la mort de 6 citoyens arabes qui ont même perdu la vie dans l'État juif en bas force sécurité israélienne pendant une manifestation qui était faite dans la date 30 mars 1976. À l'époque, manifestation ça a été faite parce que le gouvernement israélien a confisqué une partie de terre dans la Palestine. Jodi a reconnaître et célébrer l'événement ça comme jour territoire. N'a pas rappelé tout que plus passé 32 000 Palestiniens mourir dans l'offensive militaire israélienne dans Gaza depuis date 7 octobre d'après autorité santé dans Gaza. La guerre entre Israël et Hamas a été éclatée après que militants Hamas ont écrasé frontières et puis ont lancé une attaque qui a fait ravage dans parmi communauté dans le sud d'Israël qui a tué 1200 personnes et puis ont kidnappé 253 otages d'après autorité israélienne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis et puis n'a prêté aux États-Unis mais n'a vinn plus près la caille donc nous pour aller dans Baltimore côté que travail pour l'ouvrir activité dans port Baltimore là on a commencé depuis et weekend là dans moment autorité ont mandé congrès l'argent nécessaire pour reconstruire pont que un bateau cargo t'a écrasé semaine passée nous pas joindre Sandra Lemaire pour plus de détails. Autorité américaine ont fait connaître Gadcote a préparé une voie alternée côté bateau commercial essentiel yo capable passer qui situé tout près pont Francis Scott Key qui crasé. Équipage yo déjà commencé travail compliqué pour retirer acier et béton dans lieu côté pont effondré et puis touyer plusieurs monde. Pont t'est tombé dans fleuve Patapsco après un bateau cargo t'est frappé la semaine passée. Autorité ont décrit établissement voie maritime provisoire dans cadre plan pour relouvrir principale voie maritime là étape par étape. Une vidéo yo publié montré Gadcote là qu'a plagué bouée dans Gloa dimanche. Capitaine David O'Connell qui c'est coordonnateur fédéral là dit journaliste yo c'est un premier pas important dans plan pour relouvrir port Baltimore là. Et d'un autre côté, mon oncle, un travailleur construction qui mourit le pont effondré, parlait avec journaliste Associated Press sous Neuveli. Wenceslao Contreras Ortiz dit c'est dans le journal qu'il était apprendre nouvelle la mort Alejandro Hernandez Fuentes. Monsieur, c'est un papa petit qui a 35 ans, qui a établi l'école dans l'État Maryland. Cadavre, c'est une parmi deux secouristes qui ont été récupérés dans le fleuve là mercredi passé. Famille a décidé d'enterrer aux États-Unis. Su hermana principalmente lo que ella lo que necesita es que il dit principalement sa seule besoin c'est assistance humanitaire dans même gouvernement pour voyager aux États-Unis et puis souhaiter frère un dernier adieu. Gen Youssef qui t'a vivre aux États-Unis d'après sa mon oncle a dit mais l'autre là t'est resté au Mexique mais il était gagné contact avec frère pendant année qui passée. Toute victime effondrement, c'était latino-américain qui t'a travaillé construction dans moment bateau Cagoa t'a frappé. Yo t'es moun pays Guatemala, Honduras et Mexique qui t'est venu rester dans l'État Maryland. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire pour mise à jour ça. Nous parlons quelques dans l'autre point qui domine l'actualité avec Marie-Louise Pierre.
yo te wè gros destruction dans l'hôpital Al-Shifa Gaza, dans ville Gaza lundi 1er avril là, après force israélienne yo te retiré dans position parmi des camp building qui détruit yo, la fumée te paraît pendant palestinien t'a fait va-et-vient dans complexe médical là. La Russie te dit dimanche, li te frappé infrastructure énergie ukrainien, entreprise défense à atelier militaire qui pas de gen moun ladan yo dans 24 heures qui sont passé yo, pendant que Ukraine te déclaré dans même jour que li te lancé quelques attaques contre zone côté personnel ak équipement la Russie yo concentré. Premier diplomate la français fin de ses journées dit il arrive de la Chine pour un message clair by allié stratégique lié à la Russie sur la guerre en Ukraine après réunion à Tokali dans Pékin pendant que la Chine dit il s'est une partie neutre dans le conflit d'Ukraine. Il est tombé en bas critique peut-être pour refuser condamner Moscou pour offensive. Actualité à peine nous dans Chicago, que nous parlons d'un journaliste Obed Lamy qui même pas parler nous de un événement qui était marqué ce maintenant dans Chicago. Obed Lamy. Soirée 21 mars là, local Alliance française dans Chicago a fait place pour un gros bal. Et musique qui t'a frappé dans moment, c'est compas. Je suis super impressionné. Moi vraiment impressionné. Les nous avons discuté sur l'idée pour nous faire une soirée danse. Nous avons déjà hésité parce que nous pensons que c'est vraiment difficile pour faire monde danser. Mais depuis nous on a commencé à soirée, tout le monde est sous deux pieds, bien habillé, à danser, à bouger. Plus passé 60 monde te réunis dans soirée ça. Gain qui c'est étranger, mais en pile là aussi haïtien qui envie de connecter à quel type pays yo. Donc ça Jean Lazare qui quitté Haïti depuis dans l'âge 13 l'année. Moi mes compas en pile. Moi mes communauté haïtienne et une cousine moi sorti Atlanta, vivre moi le beau Atlanta. Je me disais comme ça, non, je ne vais pas aller à Atlanta parce que je suis à Chicago. Je me disais que je vais visiter avec lui, montrer lui Chicago pour comprendre ça. Le programme s'est fait dans la célébration du Festival francophonie. Côté pendant tout le mois de mars, il y a fait conférence, cinéma, concert et la trier. Mais c'est la première fois que je mets des soirées qu'on parle dans la programmation. David Zaslavski, qui était marié et fait petit affaire conforme haïtienne, expliquait pour qui ça allait deviner avec l'idée ça. Pour plusieurs raisons, parce que le compas n'est pas très connu à Chicago. Je ne pas vraiment connu la musique compas dans la zone de Chicago. Je plus connu dans Montréal, Miami, New York. Mais il y a une communauté de danse dans Chicago qui aime compas et qui danse leur danse tout d'un coup, bachata et kizumba, mais qui m'a demandé pour nous faire plus d'événements compas. Donc nous prenons tout élément ça en considération. En réalité, soirée compas n'est pas vraiment nouveau dans Chicago. Musée haïtien américain dans Chicago a été lancé activité ça dans tête collée à DJ France depuis 2019 et puis recommencé en 2022 après épidémie Covid là. Our Compas Soirée is an event that we have. Soirée Compas Loan c'est un événement nous fait dans musée pour nous célébrer kilti, musique et danse haïtien. Et nous organisons chaque troisième jeudi dans le mois. C'est une belle activité qui rassemble un pile monde et qui va avoir opportunité pour sortir, manger, boire et rencontrer des amis qui ont parlé depuis quelque temps. Et soirée ça nous fait spécialement à soirée avec Alliance Française. C'est une belle occasion pour nous faire connaissance à la communauté francophone. En plus, Alliance française avec Misea, consulat haïtien a peut-être collé tout pour aider le programme ça arrive et fait. Oui, il est important pour nous faire promotion compas, pour faire promotion culture nous. Et c'est pour ça que la représentation diplomatique est là. Et bien sûr, on a toujours répondu oui, présent. Tout côté, on fait appel à nous pour valoriser culture nous, valoriser compas qui sont patrimoine que Nemo Jean-Baptiste quitte pour nous. Obed Lamy, pouvez-vous à créole depuis Chicago? Je la gué compa la la gan pile par terre. Bien, a dit que Michel la culture tour, lui présenté et musique compa pour s'il t'a qu'à remporter. Fini ça et patrimoine l'humanité dans l'UNESCO. Et nous voyons Luc Chant de Saint-Ville, même qui va parler nous de yon exposition, en fait, si avant si yon livre qui est les AFEM dans Miami, Floride. Lecteur et lectrice, fanatique livre, fanatique compas, ont été sortis de tous côtés dans la Floride, et même en dehors des États-Unis, pour venir participer dans 26 artistes. Zafem, Zéro Faute, un livre qui, selon Yves Lafortune, écrit dans un contexte bien spécifique et qui a un objectif clair. Compas qui a 60 ans,
pas grand pile document écrit, donc n'a pas sorti de l'oralité à la littérature. Et puis nous faisons en anglais en français parce que petite diaspora qui a chanté musique là n'importe là qui a regardé. Et puis je pense que faut capable entrer sous les musique haïtienne dans l'université pour c'est pas chaque 18 mai nous on pile gouillade et puis c'est sa culture nous. En un livre ça qui est plus passé 150 pages, Yves Lafortune qui fait une étude dans la politique culturelle en France actuellement, qui a fait un doctorat en politique publique aux États-Unis, écrit un texte sous chaque musique qui sous album Zafem. Bon, une des choses que la donne, c'est le dialogue de Londres entre à Manhattan, entre Reginald et Elton John. Côté Elton qui a passé dans le temps de Reginald qui a chanté. Dialogue là pour mener Elton John à Haïti et puis il va dire le besoin initié. Reginald va dire le moment pas gain loi, pas gain loi comment le faire guider. Et puis monsieur va d'accord entraîne dans anthropologie nous pour monsieur entraîne dans enfin pour l'initier et puis il va chanter Candle in the Wind musical que pour Marilyn Monroe. Que le chanter dans la mort Lady Diana, il va chanter sous Tom Anacaona pour le ressusciter sous l'Iman Gazimir. Donc, enrichir l'anthropologie haïtienne, non, tout quoi. Les haïtiens qui devinent participer dans 26 artistes ont dit qu'ils étaient là pour supporter qu'on pas, mais c'est tout. Supporter les œuvres qui ont qualité. C'est un plaisir pour moi pour constater que il y a à la fois qualité dans la musique, qui soit l'album, dans la musique et dans le texte. Et puis, au moment où nous profiter, oui, féliciter monsieur pour bon travail. Ça. Fatigue non pas, je me devine là, dans le choublac, pour me t'acheter le livre, pour me chiter, pour me lire. Merci, Dixon Seville. Frère Kaimit. Et gentil Augustin Junior avec tous nos collègues nous. Merci en pile au même tour qui t'a regardé nous. Merci en pile. Passez une bonne semaine en compagnie de la Voix de l'Amérique.